just when I thought I was out, they pulled me back in. Il est assez important pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est cette période-là qui facilite pour eux le développement massif de la contrebande. Les parrains siciliens, ils reviennent en force une fois qu'on les laisse gérer le terre-terre un peu comme ils ont envie. La libération, ça entraîne des effets terribles parce que la mafia sicilienne domine totalement l'île. Et c'est une domination qui au final perdure encore aujourd'hui, ça reste très important même si ça se voit beaucoup moins. À ce moment-là, du coup, on voit un effacement relatif de la Camorra, qui souffre en fait du fait que Cosa Nostra, donc la mafia sicilienne et ses contrebandiers, prennent le contrôle du port de Naples, et notamment du trafic, de la contrebande de cigarettes, et plus tard du trafic de drogue, obligeant les camorristes à se rabattre un petit peu sur des activités de seconde zone qui rapportent moins d'argent, comme le racket et le jeu. On arrive ensuite à la guerre froide, autour de 1947, climat de grande tension en Italie, donc je vais pas vous faire un cours d'histoire sur l'Italie parce que déjà c'est long et là on partirait dans des trucs interminables, mais en gros la mafia prend de plus en plus de pouvoir grâce à un système de clientélisme de masse, et en fait elle se met à développer des liens très étroits avec le parti dominant de l'époque qui est le parti de la démocratie chrétienne. Si ce sujet vous intéresse, on a déjà fait du coup une vidéo sur Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, il a fait un film très intéressant qui s'appelle Il Divo, qui parle de Giulio Andreotti, de ce parti-là qui a dirigé l'Italie pendant des années et des années. Et il évoque certains personnages de ce parti-là qui se sont bien accoquinés avec la mafia. Donc si vous avez envie d'approfondir ça, je vous recommande vivement ce film. Voilà, en fait, alors qu'on pensait du coup que les débuts de l'État-providence qui s'installe dans différents pays occidentaux auraient pu justement éliminer le besoin de mafia, entre guillemets, et installer une économie saine, la gestion de la mafia par ce gouvernement pendant ce qu'on appelle le miracle économique en Italie, elle est totalement catastrophique. Les élections sont massivement truquées, surtout dans les régions du sud qui sont les plus influencées par la mafia, où on a des pratiques comme le voto di cambio, donc le vote d'échange, et le vote du paterfamilias, le vote de famille, qui s'impose. La mafia, elle bénéficie en plus de la reconstruction de l'Italie post-Seconde Guerre mondiale. Elle arrive à remporter, grâce à des magouilles, la plupart des appels d'offres et elle les exécute dans des conditions plus que douteuses, ce qui explique qu'on a aussi des soucis à l'heure actuelle d'infrastructures qui sont complètement défaillantes parce que ça a été construit à l'arrache par la mafia à cette époque-là. On se retrouve avec le pont là, qui s'est effondré à Gênes, etc. En fait, ça, on ne sait pas du coup si c'est directement la mafia ou non, mais c'est un souci qu'on a maintenant de ne jamais savoir finalement qui était lié aux travaux, qui a réalisé telle ou telle chose et est-ce que c'était fait dans des bonnes conditions. Parce que la mafia est très impliquée dans le bâtiment, dans les constructions, et c'est extrêmement problématique encore à l'heure actuelle. À la fin de la mafia, À la fin de la Deuxième Guerre, la mafia, elle s'investit pleinement dans un nouveau trafic qui est le trafic de drogue, même si elle n'aime pas trop qu'on le dise, parce que normalement, les mafias réprouvent le trafic de drogue, mais il existe bel et bien, et donc elles s'investissent dans le trafic d'héroïne. On parle ainsi de la Pizza Connection et de la French Connection, qui impliquent la Cosa Nostra sicilienne avec les bandits de Marseille et de Corse, qui connaissent eux aussi un plein essor à ce moment-là, qui nous transforment donc de la morphine base turque et qui la revendent par la suite. Et qui font un petit trafic avec la mafia italo-américaine pour t'envoyer tout ça à New York et compagnie. Si vous voulez, la mafia italienne, les mafias italiennes arrivent à se rassurer sur leur rôle dans le trafic de drogue à ce moment-là, en se disant qu'elles ne servent que d'intermédiaire à la production et qu'elles ne la vendent pas directement. On verra qu'après, hein, bah les couilles de ça, mais bon. Pour l'instant, là où on en est, c'est surtout les mafieux, les gangsters américains qui s'enrichissent énormément avec ça, parce que eux, ça leur pose moins de problèmes. C'est justement un petit peu une scission entre les mafias italiennes et la mafia italo-américaine qui commence. C'est ce qui a pas mal été décrit par le repenti Tommaso Buscetta quand il a parlé à Giovanni Falcone, le juge. Se a quel tempo i bambini non si toccavano, le donne, i giudici, Cosa Nostra aveva dei valori, dei principi conosciuti e condivisi da tutti. Ma quali valori?
proteggere la povera gente. C'est qu'il y avait les mafieux à l'ancienne d'Italie qui se refusaient encore à exploiter la prostitution et la drogue, et les mafieux américains qui étaient déjà vraiment dans un système full capitaliste comme on voit aux États-Unis, qui voyaient n'importe quelle opportunité pour s'enrichir et qui donc n'avaient pas tant de scrupules par rapport à la drogue. Ammazzare carabinieri e giudici, rovinare con l'eroina migliaia di ragazze. Io prima dell'eroina sto parlando, certo. C'è una bella differenza. Certo, ma infatti me ne sono andato. Giustamente prima dell'eroina, io e mio nonno non ammazzavano, rubavano polli. Le cronache sono piene di delitti atroci. La vecchia e nobile mafia, una leggenda, basta. Si ça vous intéresse un petit peu l'histoire de Tommaso Buscetta, il y a eu un film qui a été réalisé à son sujet qui s'appelle Il Traditore, le traître. Bon, si je dois vous donner mon avis, j'ai trouvé que c'était un film un petit peu long et qui n'était pas hyper clair en fait si on connaissait pas déjà, si on n'avait pas déjà un peu étudié cette partie de l'histoire, qui n'est pas forcément super clair, etc. Mais ça donne néanmoins un peu une idée de la vie d'un repenti, enfin de la vie qu'il a menée avant, du faste de la mafia, de toutes les complications internes et aussi des revanches, enfin des vendettas qu'il y avait à l'époque en fait, dès que quelqu'un. Collaborer avec les forces de l'ordre au sein de Cosa Nostra, on s'en prenait à des tas de membres de sa famille, lui il a perdu des enfants. Donc ça peut être intéressant, mais il faut vous accrocher parce que le film est quand même un petit peu long. Si je dis pas de bêtises, c'est un film qui a été fait par Marco Bellocchio et c'est pas un réalisateur que j'affectionne plus que ça, malgré diverses tentatives, donc je pense que ça peut jouer, mais vous pouvez être réceptif, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Du coup, comme je vous le disais, voilà, Alfred McCoy, qui est un professeur spécialisé dans ces questions, disait que la prohibition des stupéfiants, elle a contribué en fait au développement du crime organisé moderne, parce que ça leur permet de s'enrichir de l'illégalité de tout ça. Il y a d'autres trafics qui rapportent à ce moment-là énormément aux mafieux, donc comme je vous l'ai dit, la contrebande de cigarettes, mais aussi celle des produits pharmaceutiques. Ça reste néanmoins essentiellement le trafic de drogue qui permet l'essor considérable des parrains siciliens. A noter aussi que ça commence à être le moment où la mafia entretient des liens douteux avec l'église. Encore une fois, Il Divo montre très bien tout ça. Roberto Calvi et Michele Sindona, qui sont des proches de Giulio Andreotti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, on les appelle les banquiers de Dieu parce qu'ils effectuent des opérations bancaires de placement, etc., très très douteuses et très sombres pour les comptes du Vatican dans les années 60 et 70, avant que les scandales du coup n'explosent au grand jour. Quant au pouvoir mafieux calabrais, ils sont intimement liés aux loges maçonniques également. D'ailleurs, la 'Ndrangheta, elle connaît une véritable expansion quant à elle, justement dans les années 70, en s'octroyant divers chantiers majeurs, comme je vous l'ai dit, la mafia, le bâtiment, tout ça. Ils profitent par exemple de la construction de l'autoroute du soleil qui relie Reggio di Calabria à Salerne, et aussi de la construction du port et de la zone industrielle de Gioia Tauro, qu'on voit notamment dans la série 000, si vous l'avez regardé. Les années de plomb, par la suite, elles plongent l'Italie dans un climat de violence des années 60 jusqu'aux années 80, donc c'est une période de grands troubles politiques en fait, où l'Italie fait face notamment aux Brigades Rouges, donc les communistes, etc. Tout ça atteint son point culminant avec l'assassinat de l'homme politique Aldo Moro. C'est une période durant laquelle le parti dirigeant de la démocratie chrétienne qu'on a vu applique ce qu'on appelle la stratégie de la tension, qui consiste en fait à ne pas intervenir pour freiner les violences d'un côté ou de l'autre des néo-fascistes ou des terroristes d'extrême gauche, pour décrédibiliser un peu tout le monde et empêcher le communisme d'arriver au pouvoir. La lutte contre les Brigades Rouges, elle serait même allée plus loin que ça. En fait, c'est la mafia qui aurait été chargée de faire parler les communistes membres des Brigades Rouges en prison, parce qu'elle disposait de moyens de pression et de menaces suffisants. Qui aborde cette période, film très intéressant, il y a le film Romanzo Criminale qui a aussi donné lieu à une série. J'avoue que je l'ai vu il y a assez longtemps donc je peux pas faire un retour très précis. Je pense que c'est pas hyper réaliste forcément sur la mafia, etc. Mais d'un point de vue dramaturgique, l'histoire elle est vraiment prenante, émouvante, il y a des très bons acteurs dedans. Emblématique, il y a Favino qui joue aussi d'ailleurs Buscetta dans Le Traître. Et il y a un acteur italien que j'aime beaucoup dont on aura l'occasion de reparler, je pense, Stefano Accorsi. Donc vraiment.
Si vous avez envie un petit peu de checker tout ça, Romanzo Criminale, qui avait une bande originale, une musique très très belle dans mes souvenirs. La prise en compte de la mafia, néanmoins, elle reste très lente. On a une commission parlementaire anti-mafia qui est créée en 1963, qui est totalement paralysée. Au bout de nombreuses années, le travail n'aboutit toujours pas. En 1972, on a quand même un membre de cette commission qui déclare qu'il a l'impression d'en savoir plus sur la mafia grâce au Parrain, dont le roman de Mario Puzo venait de sortir. Donc pour vous dire un petit peu l'étendue des dégâts, et finalement les choses quand même deviennent de plus en plus problématiques. La commission se sent un petit peu obligée de faire quelque chose et elle nous sort un rapport de 1262 pages bien des années plus tard. C'est toujours pas suffisant parce qu'au final ça reste un travail d'historien, d'archives, etc. et ça ne propose pas de solutions concrètes. Donc ce sera bien plus tard qu'on verra des lois intervenir vraiment pour créer des infractions d'associations mafieuses, etc. qui permettront de lutter efficacement contre le phénomène. Ce sera pas forcément quelque chose que je vais énormément détailler parce que ce qu'on a envie d'expliquer c'est l'évolution de la mafia et pas forcément l'évolution de l'anti-mafia, comment les poules anti-mafia se structurent, etc. Ça pourrait donner des choses intéressantes aussi. Si vous avez des questions à ce sujet-là, bah, n'hésitez pas à les poser parce que je pourrais essayer d'y répondre en commentaire parce que ça m'intéresse aussi. Mais on va quand même essayer de se bouger hein, et d'avancer dans cette vidéo. Du coup, j'enchaîne. Donc comme je vous le disais, années 70, période très troublée parce que la mafia ne se contente pas en gros de faire le bordel dans le sud de l'Italie. L'Italie subit aussi du coup des attentats d'extrême gauche, notamment un peu partout. Et la situation au plan national, en plus pleine de micmacs et de collusions un peu obscures, commence à vraiment devenir problématique. Le temps passe, la drogue qui devient plus prisée à la place de l'héroïne, c'est la cocaïne, ce qui instaure une collaboration entre les mafias italiennes et les cartels colombiens, à l'époque notamment le principal cartel donc de Medellin. Si vous avez vu Narcos, vous connaissez l'histoire avec Pablo Escobar, qui contrôlait les laboratoires, assurait la transformation en cocaïne de la pâte de coca fournie par Cacha, qui était, donc la drogue était ensuite transportée aux États-Unis par les hommes du bandit qu'on appelait Leder, et les bénéfices blanchis par les frères Ochoa, qui étaient donc les potes de Escobar, et donc qui collaboraient à l'époque massivement avec les Siciliens. Cosa Nostra va conserver ce monopole au niveau de la cocaïne pendant des années, en fait, jusqu'aux années 90, parce que c'est un peu l'époque de la chute de Cosa Nostra. Je vous expliquerai pourquoi par la suite, et du coup à ce moment-là, c'est la 'Ndrangheta qui a repris. Et globalement, au niveau européen, j'ai pas actualisé le chiffre, mais le pourcentage de... Je crois qu'à un moment donné, en tout cas, au milieu des années 2000, si je dis pas de bêtises, on était arrivé à un stade où 70% de la drogue en Europe transitait par la mafia calabraise. Et je pense que c'est toujours quand même relativement... le rôle est toujours essentiel aujourd'hui encore à l'heure actuelle en Europe. C'est eux qui ont réussi à prendre le contrôle en fait des relations avec l'Amérique du Sud et qui du coup ont un rôle extrêmement important. J'en arrive un peu à vous expliquer les différents bordels qui ont eu lieu dans les différentes mafias à ce moment-là. À partir des années 70, ça commence à être un peu carnage, un peu partout. En Sicile d'abord, on a donc le célèbre boss sanguinaire de Cosa Nostra, Totorina, qui assassine vraiment à tour de bras. Genre le gars, zéro problème, il fait buter notamment le président de la région de Sicile, Pier Santi Mattarella, et un peu plus tard, figure de proue de la lutte anti-mafia qu'on avait envoyée du pays sur l'île, qui s'appelle le général Dalla Chiesa, qui a eu à peine le temps, en fait, à peine quelques mois pour essayer de se poser en Sicile, qu'on l'avait déjà tué avant qu'il ait rien eu le temps de faire. L'État italien, en fait, là, commence vraiment à tenter de réagir face à un phénomène qui frappe la vie quotidienne de tous les habitants de Sicile. Grâce à l'acharnement de certains magistrats, sur lesquels on reviendra, a pu avoir lieu le célébrissime maxi-procès de Palerme, qu'on détaillera un peu plus tard, donc en 86. L'acte d'accusation, pour vous donner une idée, visait quand même plus de 8000 personnes, et il aboutira à un nombre assez incroyable de condamnations. On verra ça plus tard, dans une partie suivante. L'acharnement institutionnel, il porte un sérieux coup, en fait, à Cosa Nostra, mais il ne fait en fait que la pousser dans ses derniers retranchements de violence à ce moment-là. Totorina pète complètement les plombs et il fait assassiner les deux hommes forts en fait de la lutte anti-mafia, qui sont Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui sont tués tous les deux en 1992, en mai et en juillet. On y reviendra aussi. Dans un vrai délire mégalomaniaque, Rina a même affirmé « L'État, maintenant, c'est moi et c'est à moi qu'on paye les taxes. » La République, c'est moi! Donc voilà, on en est là. Et comment on en est arrivé là? Pour mieux comprendre, il faut faire un petit retour en arrière sur le clan des Corleone, qui est le clan de Totorina.
Donc en fait, ils viennent de la plus petite ville de Corleone qui se situe dans le centre de la Sicile. Ces mecs-là, en gros, on les prenait un petit peu pour des bouseux à Palerme, ça les a un peu énervés et il y a des guerres de clans qui ont commencé. Pourtant, les tueurs de Corleone, ils ont toujours joui d'un prestige particulier parce que ils ont toujours été en fait très cruels et très barbares, très sanguinaires, qui en fait n'avaient aucune limite. Ça part du docteur Navarra qui était vraiment un tueur d'enfants sans aucun scrupule. Ensuite, on a eu Luciano Ligio en 74, Totorina qu'on surnommait la bête, et son adjoint Bernardo Provenzano qu'on appelait le tracteur. Alors moi, je sais pas vous, mais les surnoms dans la mafia, ça me passionne aussi, vraiment. Vous verrez, on n'est pas à une pépite près par la suite. Donc voilà, ils terrorisaient vraiment toute la région. Ils étaient dans une logique où en fait, voilà, il n'y a pas de pardon qui tienne, tu as fait quelque chose, tu meurs et ça se passe comme ça. Ils ont même assassiné aussi Michele Cavataio, le Cobra, alors qu'avant, bon, c'était un des leurs en cause de Nostra. Bref, c'était le bordel. Les conflits à l'intérieur de l'organisation, ils ne cesseront en fait jamais vraiment. Tous ceux qui s'opposent au boss ou qui trahissent doivent mourir. Alors, je me suis souligné cette petite anecdote juste parce que je trouve que c'est un bon exemple. C'est juste une anecdote en particulier, ça n'a pas d'impact général, mais je vais vous la dire parce que je suis lancée. Du coup, voilà. Là, dans le livre du coup de Saint-Victor, il raconte que les hommes de Rina, ils attendirent Salvatore Inzerillo, qui était venu rendre visite au pape Michele Greco, donc tous hein, du système, sur son domaine pour comprendre la mort de son frère, et en fait pour l'étrangler. La vengeance des Corléonais ne connaissait pas de frontières. Pietro Inzerillo fut retrouvé mort après avoir fui à New York, ligoté dans une Cadillac avec des billets de $20 dans la bouche. Cette mise en scène macabre était destinée à humilier les perdants en soulignant leur avidité. Alors ça, c'est un truc dont Falcone parle aussi. Il explique bien dans son livre que les hommes de la mafia ne tuent pas pour le plaisir de tuer, qu'en général c'est toujours justifié, c'est quand les autres pressions n'ont pas été suffisantes pour faire comprendre le message qu'on finit par tuer la personne qu'on n'a plus d'autre recours. Et en général, ils préfèrent étrangler les gens parce que ça fait moins de bruit, c'est plus discret et c'est le but. Néanmoins, dans certains cas particuliers, on va faire payer à la personne en la tuant si vraiment il y a eu un message clair à faire passer. Du genre, voilà, tu as été trop avide, on va te buter et on te mettra des billets dans la bouche. Tu t'es tapé la femme d'un autre mafieux, on va te tuer et on mettra ta teub dans ta bouche. Enfin, ils aiment bien mettre des trucs dans la bouche des gens. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner une idée. On a cette escalade de la violence qui se poursuit dans les guerres sanguinaires entre rivaux en Sicile. Les rues sont peu à peu jonchées de cadavres, ça prend des proportions immenses. Les tueurs de Rina sont menés du coup par Giuseppe Greco, qu'on appelle Petite Chaussure, qui n'a aucune limite, qui continue à buter tout le monde. Les meurtres sont très programmés à l'avance. La capitale de la Sicile, ça devient une morgue à ciel ouvert. On a des explosions de voitures, des fusillades à la Kalachnikov. Enfin, ça devient n'importe quoi. Des morts brûlés en pleine rue ou lancés devant les commissariats. Le 30 novembre 1982, rien qu'en une journée, 12 boss sont supprimés par Monsieur Petite Chaussure. Et à Noël de la même année, Totorina déclare fièrement qu'il aurait tué ce soir-là plus de personnes qu'Al Capone au cours du massacre de la Saint-Valentin, dont on aura l'occasion de reparler. Totorina, finalement, il est capturé le 15 janvier 1993. C'est un petit peu triste parce que du coup, Giovanni Falcone n'aura jamais eu l'occasion de voir ça puisqu'il a été assassiné quelques mois plus tôt. L'assassinat de Giovanni Falcone, c'est un truc complètement dingue. Ils ont fait exploser des tonnes et des tonnes d'explosifs sur l'autoroute en Sicile. Cette capture est justement permise par le fait que là, l'État a mis les bouchées doubles parce que les assassinats de Falcone et Borsellino ont traumatisé tout le pays, qui a déjà subi du coup des choses très difficiles. Totorina, il est vite remplacé par son beau-frère Leo Luca Bagarella. Ce personnage-là, vous pouvez le découvrir dans la série Il Cacciatore. Je regarde Claudia pour être sûre que je vous dis pas de bêtises. Série vraiment super intéressante qui a pas été beaucoup mise en avant en France, qui est dispo sur Canal+, si ça vous intéresse, et qui parle justement de comment l'antimafia a traqué Bagarella et d'autres mafieux. C'est hyper dur, mais c'est très sombre et très beau, c'est très bien fait, les acteurs sont super. Donc vraiment, l'interprète de Bagarella, il est juste incroyable. N'hésitez pas, vraiment super série. Super série, récente et tout. L'Italie, ils ont vraiment mis full moyen là-dedans et elle est très très bien faite. Du coup, bon bref, j'enchaîne. Donc Bagarella, pas mieux que Totorina, complètement frappé, radical également. Ce monsieur n'a pas hésité à ordonner de dissoudre dans de l'acide un enfant de 12 ans dont le seul tort était d'être le fils d'un repenti. Donc aidé par les frères Graviano, qui sont en gros les régents du fief de Brancaccio et du boss de Trapani, Matteo Messina Denaro, il décide de poursuivre le combat contre l'État, mais en l'exportant carrément sur le continent. C'est comme ça qu'on se retrouve à voir des choses improbables se passer en Italie, des bombes qui explosent en 1993 contre différents monuments dans différentes villes, à Rome, à Milan et notamment aux Offices à Florence, qui font des dizaines de morts, des dommages
considérable pour le patrimoine mondial et le patrimoine artistique italien. Et donc à ce moment-là, vraiment quand même, le gouvernement italien se dit « c'est la merde, il faut y aller les gars ». Donc on se retrouve avec des actions vraiment d'envergure pour essayer de casser un petit peu ce système qui prend trop de place. C'est à ce moment-là du coup que Cosa Nostra perd un peu bêtement son influence en ayant voulu avoir en fait les yeux plus gros que le ventre. Ils finissent par perdre le monopole de la cocaïne parce qu'ils peuvent plus mener leurs actions. Quand tu as la moitié des responsables qui sont morts en cavale ou en prison, ça devient très complexe. L'État arrive fortement à l'affaiblir, mais en fait ce qui s'observe souvent dans la lutte anti-mafia, c'est que si tu en affaiblis une, il y en a une autre qui reprend de la place, comme on va le voir, la Camorra et la 'Ndrangheta à ce moment-là en profitent justement pour reprendre la place. Monsieur Tapos. La Camorra, elle connaît aussi de très importantes violences internes. Les années 70, elle voit l'arrivée d'un criminel, ça me fait rire dans le livre, il l'appelle un criminel audacieux, Raffaele Cutolo, surnommé O Professore. Parce qu'il était poète, voilà, comme ça. Non siete meno intelligenti che lui là. O vai, ecco, non siete organizzati. Ce monsieur, il nous crée la Nuova Camorra Organizzata, qui recrute en fait des jeunes criminels de la région périphérique de Naples pour essayer de s'imposer dans le jeu local. À son apogée, cette armée-là, elle compte 5000 à 7000 soldats qui tentent de déstabiliser les clans traditionnels. Il y a une vraie zizanie qui est semée par ceux-là à l'encontre de la Camorra qu'on appelle de la Nuova Familia, qui est la famille rivale qui était déjà en place. Les proches de Cutolo, on a notamment Vincenzo Casillo di Onirone, qui sont éliminés dans des conditions vraiment atroces. Sa femme, elle est emmurée vive dans une dalle de béton, donc ça prend aussi des proportions tout à fait improbables. On suspecte en fait finalement que des facilités aient été accordées aux hommes de Carmine Afieri, qui est en fait le boss du clan de Nola et le rival de Cutolo, par l'État en fait, pour essayer de rétablir un peu le calme et le maintenir en place. C'est notamment le meurtre dont la femme dont j'ai parlé avant, on se demande si c'est des meurtres d'État ou pas, parce que tout ça s'est passé dans des conditions très douteuses. Tout ça, au final, permet de réussir à affaiblir Cutolo, qui est arrêté et transféré à la super prison de l'Assinara, qui est au large de la Sardaigne, enfin qui n'existe plus si je dis plus de bêtises, mais donc qui était en place à ce moment-là, où il deviendra en fait complètement cinglé parce qu'il était coupé de tout contact humain, enfin c'était un peu, c'était hardcore. Les faiblesses de la Camorra, elles finissent donc par se résorber une fois que tout ça s'apaise. La stabilité reprend, l'argent de la drogue et surtout aussi, truc majeur, tremblement de terre en Campanie dans les années 80 qui a vraiment causé des dommages énormes. Et du coup, l'argent de l'État a coulé à flot pour la reconstruction, argent qui évidemment est tombé dans les poches de la Camorra. Donc ça permet en fait à cette mafia-là de reprendre du pouvoir alors que Cosa Nostra décline. Néanmoins, les conflits reprennent dans les années 2000 et ce sont ces conflits qui sont abordés dans la série Gomorra notamment. Entre gangs rivaux de nouveau qui font des dizaines et des dizaines de morts à Naples, qui créent des situations totalement dramatiques et surtout qui font de Scampia à l'époque le supermarché européen de la drogue et qui voient des tonnes de morts dans le quartier, dans les quartiers de ce coin-là à Naples. Et du coup, pareil, en fait, l'État a été obligé après de mettre de gros moyens pour faire cesser tout ça parce que ça, Naples devenait complètement invivable. Et encore une fois, voilà, pareil, on a fait reculer ça à Naples, on fait avancer la 'Ndrangheta, on redonne un peu du poil de la bête à Cosa Nostra, c'est un peu un problème sans fin. Du coup, pour finir aussi avec le bazar de la 'Ndrangheta, c'est un petit peu moins organisé, c'est un petit peu moins structuré en mode un contre un, c'est un petit peu le cirque comme d'habitude. Première guerre des clans, années 70, près de 1000 victimes en 10 ans tout de même. Deuxième guerre, 1985, se termine en 91, plus de 700 morts également. Des meurtres d'une brutalité inouïe, voitures piégées, explosifs Kalachnikov, lance-roquettes, bazooka et fusils à balles perforantes, je vous en passe. Pour vous donner des détails un petit peu affriolants, non, je plaisante, des détails abominables. En 91, on a une vendetta qui a déjà fait plus de 30 morts par le clan des Zagari, qui nous assassine 4 personnes en plein centre à Taorinova, près de Reggio, et qui égorge les victimes avec un couteau de boucher avant de balancer leur tête en les criblant de balles devant un commissariat. Tel un film de Tarantino. Encore une fois, parfois, les dingueries tarantinesques ne sont pas très loin de la réalité. On a un peu le même genre de rivalité en fait entre l'ancienne garde et la nouvelle génération, un peu comme on a eu au sein de la Camorra.
Et en fait, c'est à cette période un peu troublée qu'on a l'apparition d'une quatrième mafia italienne qu'on connaît très peu, parce qu'elle est quand même aussi beaucoup moins influente. Il s'agit de la Sacra Corona Unita, qui est en fait une mafia située dans les Pouilles. Parce que à cette période-là, du coup, le boss Raffaele Cutolo, qui essayait en fait de prendre le lead de la Camorra, avait cherché des alliés en Calabre. Les gens de la 'Ndrangheta ont refusé de prendre parti dans une guerre qui n'était pas la leur. Et c'est pour ça qu'il est allé chercher du soutien dans les Pouilles et que cette mafia-là a pu se développer aussi. Après toutes les guerres que je viens de vous mentionner, les mafias italiennes finissent par se positionner un petit peu à part plus ou moins égale sur le marché criminel. L'État-providence finalement ne résout pas du tout le problème de la mafia. Elles approfondissent leur implantation un peu partout, même dans le nord de l'Italie. Il y a plein d'activités illégales qui se mettent en place en Lombardie, en Vénétie, etc. Puis en Europe, dans les régions où émigrent justement des mafieux, les Calabrais qui émigrent beaucoup en Belgique, en Allemagne. Beaucoup de criminels aussi qui s'installent en Espagne, qui surnomment Costa Nostra, pour faire un petit jeu de mots. Le climat intellectuel des années 80, en fait, avec vraiment un libéralisme poussé à l'excès, favorise en fait cette mafia, parce que ce qu'on appelle l'idéologie du coup néolibérale, en italien on dit liberista pour distinguer en fait de l'autre mot auquel on attribue plus de valeur, donc qui repose sur le culte de l'argent, le sacre du privé, de la propriété, le mythe de la réussite individuelle à tout prix. Ce sont en fait ce qu'on a les valeurs originelles en quelque sorte de la mafia. Et du coup, ben, eux, ils se disent, mais pas de problème, en fait, si c'est ça les règles, maintenant, c'est des règles qui nous conviennent très bien. Et c'est ce qui met le vent en poupe pour la mafia. Les choses en Italie évoluent, comme je vous l'ai dit, notamment déjà début de la tentative de riposte, 1992, scandale de Tangentopoli. La tangente al nord, la mafia al sud. Sont deux faces de la même médaille. C'est la corruption en fait du pays qui est exposée à la vue de tous après qu'on ait découvert que le système politique repose massivement sur des pots de vin et sur la corruption. C'est un thème qui est abordé dans la série 1992, enfin les saisons d'après du coup s'appellent 1993 et 1994. Donc série italienne très sympa, même si bon voilà, pas forcément toujours 100% réaliste, enfin c'est très drama, voilà, on va pas se mentir. Ils ont essayé de faire un truc un peu clinquant, un peu bling bling, mais moi j'ai trouvé ça agréable à regarder. Encore une fois, il y a Stefano Accorsi dedans, donc c'est quand même sympa. Et puis ça vous permet en fait quand même d'avoir des clés un peu historiques pour comprendre cette période-là en particulier, parce que ça décrit bien la société italienne de cette période-là, avec aussi les débuts de Berlusconi, donc ça peut être intéressant. La mafia du coup est évidemment impliquée dans tous ces scandales. On surnomme notamment Salvo Lima, qui est proche d'Andreotti, d'être même un affilié de la mafia. Le peuple italien à ce moment-là commence à se révolter, à demander des comptes et un vrai changement politique. Les partis traditionnels, dont la démocratie chrétienne, s'effondrent totalement. Et c'est ce qui permet l'émergence du parti de Berlusconi, avec le Forza Italia, etc., qui profite de ce terrain complètement vaseux. Les magistrats chargés de cette opération du coup, de lutte contre la corruption, opération qu'on appellera Mani Pulite, les mains propres, tentent d'aller jusqu'au bout, poursuivre de très nombreux élus corrompus. Ce ne sera malheureusement pas forcément suffisant pour faire évoluer durablement la politique du pays, comme vous pouvez encore le constater à l'heure actuelle. La même année, l'État frappe un grand coup contre la mafia. Comme vous savez, du coup, il y aura le maxi-procès. Enfin, il y a déjà eu le maxi-procès, et là, on tente un truc. On se rend compte en fait que les mafieux italiens continuent à diriger leurs affaires depuis la prison de Luciardone et de Palerme. Et donc on met en place ce qu'on appelle l'opération des Vêpres italiennes. Le 25 juillet 92, on a 1000 parachutistes qui sont envoyés en Sicile pour rétablir l'ordre et transférer en fait tous les mafieux dans des prisons différentes pour les séparer et les éloigner de leur territoire d'origine. On en transfère notamment beaucoup dans l'île Pianosa, donc là où ils sont complètement isolés et ça devient impossible pour eux en fait de commander les opérations. On a 40 000 soldats qui seront en tout mobilisés sur plusieurs années pour sécuriser la Sicile, et c'est ce qui provoque vraiment véritablement le déclin de Cosa Nostra et qui la contraint à se retirer dans l'ombre. Depuis la fin des années 90, du coup, en réaction à tout ça, les mafias se font bien plus discrètes, mais pour elles, on parle de mondialisation heureuse parce que les bouleversements sociaux et économiques vont totalement dans leur sens, c'est une véritable aubaine. Cette espèce de triomphe de l'esprit prédateur, les plus forts gagnent, il faut faire carrière, il faut faire de l'argent, les plus riches dominent. Encore une fois, ce sont les bases en fait du système mafieux.
La mafia, elle profite de ce qu'on appelle, de ce que les auteurs appellent la société incivile, où règne un esprit de compétition pour développer leurs activités. Elles arrivent en plus, de plus en plus à se développer dans le système légal, avec la complexification des opérations financières, avec la globalisation de la finance. Je veux dire, les mafieux, maintenant, ils ont des comptes offshore, il y a des sociétés écrans un peu partout. Ils pratiquent ce qu'on appelle un capitalisme prédateur, en arrivant à finalement blanchir l'argent dans tout un tas d'activités dans le monde légal. Les mafias deviennent donc plus puissantes que jamais au final avec ce capitalisme débridé. Pour vous donner un petit exemple que j'aime bien, on avait des enregistrements parce qu'il était placé sur écoute du mafieux de Catane Giovanni Tagliamento qui en 1989, au moment où le mur de Berlin va chuter, a appelé un de ses collaborateurs qui vivait en Allemagne pour lui dire « achète tout ce que tu peux, restaurant, usine, tout, achète tout ». C'est un peu l'emblème voilà, de la globalisation des mafias à l'aube de ce troisième millénaire. Et la mafia essaie même d'investir le champ politique, vu que comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu le bazar au niveau des partis, etc. À ce moment-là, c'est l'émergence aussi, vous le verrez si vous regardez 1992, du parti lombard de la Ligue du Nord, qui veut en fait une séparation de l'Italie en trois zones, et qui n'hésite pas en fait à dire implicitement que l'Italie du Sud devrait être dirigée par la mafia, puisque c'est ce qui semble très bien marcher pour eux, c'est ce qui semble être intégré à leur ADN, selon les Milanais. Voilà, ils parlent d'uno stato loro, leur laisser en gros leur état, les laisser se débrouiller entre eux dans le sud, parce qu'ils considèrent en gros que les gens du nord de l'Italie sont plus civilisés, sont de vrais Italiens, et qui devraient faire leur vie dans leur coin, et laisser le mezzogiorno un peu à sa propre merde. Et du coup, on a l'émergence de différents mouvements un peu séparatistes, selon les zones. On a la Ligue Lucana en Basilicata, la Calabria Libera, ou Campania Libera, donc en Calabre, en Campanie. C'était pas forcément officiellement des partis directement soutenus par la mafia, mais on se doute que ça les arrangeait évidemment bien. En Sicile, Bagarella, il avait carrément envisagé justement la création d'un parti politique qui se serait appelé Sicilia Libera. Finalement, ça n'a rien donné. Ce même Bagarella, il est arrêté en 95 et devient chef de la mafia sicilienne Bernardo Provenzano, qui était en cavale quand même depuis 1963, rendez-vous compte que ces gens sont des malades, qui lui, vraiment, entérine définitivement le tournant un peu pacifiste pris par la Cosa Nostra, et cette espèce de méthode très affairiste où on essaie de se faire discret, de s'injecter dans le secteur légal, et il dit lui-même, assez de massacres, assez de meurtres, il y a tant de façons légales de s'enrichir, donc c'est ce qu'on appelle un processus d'immersion. Ils essaient finalement de développer leurs activités dans la finance, même dans le sport, le spectacle, etc. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc voilà, synthétisation de toute cette partie. La mafia, ça existe encore aujourd'hui, c'est encore un problème majeur aujourd'hui, alors qu'il y a des gens qui se sont vraiment dévoués à lutter contre. Et le problème, c'est que quand tu luttes contre, il y en a toujours un bout qui ressort ailleurs que là où tu as essayé d'agir. La culture italienne fait que ça peut être problématique parce qu'il y a beaucoup de défiance envers l'État qui s'installe en plus, enfin, de plus en plus avec les années, qu'on voit différents échecs politiques de différents bords. C'est un problème très prégnant et qui en plus a bénéficié vraiment de la mondialisation pour s'installer un peu partout. Et du coup, maintenant, il faudrait une lutte, en fait, à l'échelle mondiale, vraiment des pôles anti-mafia à l'échelle mondiale pour pouvoir lutter contre tout ce qui se passe, parce que l'argent circule par tellement de pays et par tellement d'organisations criminelles que ça devient très dur, en fait, de comprendre les transactions. Vous allez avoir un mafieux sicilien qui va travailler avec, je ne sais pas, des mafieux albanais, et ils vont réinvestir l'argent avec des mafieux russes dans des maisons dans le sud de la France avec des bandits marseillais, et on s'en sort pas. Les comptables, les financiers mafieux qui après vont tout investir dans des sociétés offshore, on n'a jamais eu autant de paradis fiscaux que maintenant, et ça c'est une problématique. Si les États ne luttent pas efficacement contre les paradis fiscaux, on ne peut pas lutter efficacement contre la mafia. Et les États ne luttent pas efficacement contre les paradis fiscaux parce que ça arrange bien aussi les politiques et les gens influents de ce monde. Donc c'est un problème sans fin. Des lueurs d'espoir, mais néanmoins beaucoup de problèmes. Voilà. Donc j'ai un petit peu fini cette espèce de synthèse que je voulais vous faire sur la mafia. Ah, j'espère que ça vous aura intéressé, même si c'était pas mal théorique et didactique quand même. Et on se retrouve du coup pour la partie 2 qui sera centrée sur l'évolution de la représentation de la mafia. Et on se retrouvera ensuite pour des parties un peu plus d'application un peu plus concrète, sociologique et psychologique, sur pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la mafia. Donc abonnez-vous si vous avez envie de voir la suite, laissez un petit like, tout ça. Et puis, retrouvez-nous pour la prochaine, pour la partie 2. Voilà. Prenez soin de vous en attendant.